Bonjour tout le monde. Alors là, je vous présente tout simplement le dernier calendrier, je pense, de la saison. Après, on fera des cartes, des albums, des autres choses que des calendriers. Donc voilà, il est tout simple avec le dernier qui est sorti de chez Action, celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas trop mis de choses, je l'ai laissé le plus simple possible. Voilà, ça c'est moi qui l'ai rajouté avec du papier foil et médailles. Mais ça, vous pouvez très bien l'écrire à la main. Idem pour les chiffres. Comme vous pouvez le voir, ce sont mes chiffres de la machine à dies. Voilà, avec du papier foil. Vous voyez, il est vraiment très simple. Et toujours très gros pour les enfants, pour qu'un œuf Kinder, tienne à l'intérieur. Alors, j'ai plus mon œuf en plastique. Mais un œuf Kinder tient à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant je vous laisse place avec le tuto. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A très vite. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un calendrier de l'Avent avec ceux de cette année. Je ne suis pas très rose pour le Noël, mais alors celui-là, pour moi, il est magnifique. Donc ce sera celui-ci. On commence bien évidemment, comme toujours, par les boîtes. C'est ce qu'il y a de plus long à réaliser. Donc, je suis venue couper alors une feuille en deux. Non, c'est pas une feuille à quatre, pardon. J'étais partie sur les feuilles à quatre. Donc, c'est une feuille, vous pouvez en faire deux à l'intérieur des feuilles 30-30 du bloc. Donc, celle-ci mesure... Alors... 15,2,5 parce qu'en fin de compte le 30,30 en fait il fait 30,5 par 30,5 exactement. Donc je suis venue la couper en deux, donc ça fait 15,2,5, vous voyez, voilà, sur 25,5, auquel vous voyez on fait des plis. Alors moi j'ai utilisé ceci, voilà, tout simplement. Mais vous, vous pouvez le faire avec votre massicot ou si vous avez autre chose comme moi, ou alors un vieux stylo qui écrit plus, vous avez pu, bah, vous appuyez fort sur la pointe, ça fonctionne aussi. Donc, vous faites un pli à 5,1. Et là, je crois que j'ai mis un peu moins au milieu, alors attendez. Ouais, c'est ça, 10,1,5. Comme ça, au moins, on rattrape un peu le 0,5 mm. Ça ne se verra pas sur les boîtes. Hein. C'est vraiment 0,5 mm. Ça ne se voit pas du tout. On parle en millimètres, là. Donc, vous venez faire un pli à 5,1, 10,1,5 et après, le reste. Voilà. Ici, vous venez faire un premier pli à 5,1, 10,2, 15,3, 20,4 et vous venez couper à 25,5. Je répète, 5,1, 10,1,5. Voilà, et après on coupe donc à 15,2,5. Voilà. Ensuite, ici, 5,1, on plie. 10,2, on plie. 15,3, on plie. Plie, j'appelle ça. 20,4 et à 25,5. On coupe. Voilà, maintenant que j'ai fait mes plis, vous voyez, on va venir marquer, on peut venir les marquer maintenant ou après, enfin ça c'est peu importe. On va venir couper de toute façon. Alors je vais vous montrer comment couper. Alors attention au sens de la boîte quand vous voulez ouvrir votre boîte. Voilà, ça on regardera ça après. Donc nous allons fabriquer ce qu'on appelle des languettes. Alors, voilà. Ici, on vient couper, sauf la languette. Alors, la languette, je la fais à main levée, hein, mais vous laissez environ entre 1 cm et 1,5. Ici, on ne touche pas. Là, on ne touche pas. Ici, on vient couper. C'est pareil, la languette, on laisse environ 1 cm, 1 cm et demi. Et ici, on vient couper. Et on fait pareil en face. Je fais vraiment ça à main levée. Hein. Vous
Voilà, tout ça on enlève. Et ça, on n'y touche pas au milieu. Alors, moi, je commence par ce sens-là. Donc, je viens couper chaque carré, mais pas le milieu. Attention, pas le milieu. On s'arrête bien au pli. Voilà, vous voyez, on s'est arrêté. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez le faire au ciseau. Voilà. Vous voyez? Alors, moi, je viens carrément me mettre sur mon tapis, vous voyez, ici. Voilà. Pour bien couper environ 1 cm, 1 cm et demi, je viens faire comme ceci. Vous voyez? Alors attention, ici je ne touche pas. Et ici je ne touche pas. Voilà. Et là les languettes, je viens au cutter. Alors si vous ne voulez pas le faire au cutter, vous pouvez très bien le faire au ciseau. Voilà. Tout simplement, vous voyez, voilà, simplement. Alors maintenant le sens de la boîte, attention au sens du parapluie. Le parapluie pour moi il doit s'ouvrir comme ceci, vous voyez, donc je vais ouvrir la boîte comme ceci, donc ça veut dire que je colle ces deux parties ici et ça c'est le capot de la boîte. Donc c'est parti, on vient coller. Attendez-moi, j'ai oublié de le refermer, ça m'arrive. Malheureusement, des fois, il y a des bouchons. Voilà. Hop. Donc, pour aller plus vite, je vais mettre mes petites épingles. N'hésite pas à bien venir appuyer au fond. Voilà. Et il va m'en manquer une. Je n'ai plus de petite épingle. Où est-ce que je les ai mis? Je ne sais plus dans mon bazar. J'ai tellement de bazar. Je ne sais plus. C'est pas grave, j'ai une épingle à large. On va prendre celle-là. C'est pas grave. Voilà. De toute façon, honnêtement, ça colle super vite. Il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps. Alors, on y va normalement avec le plioir, mais moi, allez, je reviens là. Vous voyez? Hop. Ça va très vite à sécher. Et nous faisons pareil pour le dessus. Voilà, on attend 30 secondes.
après une boîte sans fête. Voilà. Donc, là, vous faites 24 boîtes de votre côté, bien évidemment, parce qu'on ne va pas faire les 24 boîtes ensemble. Moi, elles sont déjà réalisées. Je prends de l'avance. Donc, ça, c'est une boîte de plus. Voilà. Alors, par contre, laissez-les sécher à l'air libre, comme ça, ouverte. Parce que sinon, la colle qui dépasse va abîmer vos boîtes de devant. Repliez-les pour qu'elles prennent moins de place quand elles seront sèches. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mes 24 autres boîtes. Voilà, donc ça, on met de côté. Maintenant, vous allez prendre 3 feuilles, tout simplement A4, que vous allez venir coller les unes aux autres. Je peux les mettre dans ce sens-là, comme ça, vous les verrez. Vous voyez? Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, les unes aux autres, vous venez les coller. Donc, vous allez avoir besoin de alors, ça s'appelle de la cartonnette. Hein, moi, c'est de la récup, tout simplement. 2 cartonnettes de 21 par 28 cm. Voilà. Et une qui mesure 10,5 par 28. Donc, je suis venue faire mes tracés sur les feuilles. Je vous montre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va venir coller le milieu et nous avons plus besoin de la règle. Donc je suis venue faire vous voyez le 10,5 au milieu, comme ça j'ai plus qu'à coller, je me repère. Et entre les deux cartonnettes ici, on laisse 0,5. Pourquoi? Parce que comme on va créer comme un livre, il faut qu'il y ait de l'aisance entre les deux cartons pour pas que le papier craque. Donc ça c'est important, il faut laisser 0,5. Donc moi ma cartonnette elle mesure 2 mm, si elle mesure, il faut laisser plus. Si elle mesure plus, il faut laisser plus. Ouais, elle mesure 2 mm. Voilà. Donc moi, ici, il y a environ 0,9 et 0,9 de chaque côté. Donc je vais venir rabattre après. Mais d'abord, on va coller de toute façon. Donc voilà. Donc moi, je suis venue faire mon tracé sur la page du milieu, comme vous pouvez le voir. Et j'ai laissé 0,5 de chaque côté. Alors là, je vous ai marqué un repère par rapport à la feuille pour que vous sachiez où le placer à peu près. Donc, le premier trait, vous le tirez à 4,5 et le deuxième trait à 5 cm. Voilà, c'est pour votre repère. Et ici, ça mesure de toute façon 10,5. Voilà. Vous venez coller. Moi, je vais coller. Ben, je vais coller la première et après, on le fait hors caméra. Bonne couche de colle pour pas que ça bouge, hein, surtout. Voilà. Tac, et on vient coller la première. Alors, si vous voulez faire au double face, vous pouvez. Moi, je le fais pas au double face, je préfère la colle. Mais ça, c'est une question de choix. Voilà. Moi, c'est collé. Donc là, on va venir coller les deux autres cartonnettes et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, je les ai collées. Maintenant, on va couper les angles. Alors, pour les angles, on prend un ciseau. Je vais vous montrer une fois, donc je vais tâcher d'être dans le champ de la caméra. Mon ciseau, il est tout seul. C'est pas grave. On coupe en biais les deux côtés. Mais on laisse environ un peu moins d'un millimètre dans la diagonale. Voilà, ça vous le faites des quatre côtés, on se retrouve juste après. Voilà, donc maintenant nous allons coller les côtés. Voilà. Hop, on frotte bien comme ça. Alors moi j'y vais avec le torchon, c'est toujours mieux, ça essuie la colle en même temps. Voilà. Et là après on n'hésite pas à venir appuyer. Voilà, de l'autre côté, pareil. Voilà, et on vient appuyer.
Voilà. Tac. Et maintenant, vous allez venir faire ici. Donc ici, comme il n'y a pas beaucoup, ça va être le plus galère, je dirais. Là, vous pouvez venir prendre tout simplement les petites pinces comme ça. Voilà. Hop. Donc pareil, on vient pincer. Voilà. Mais ça va coller normalement au bout de pas très longtemps de toute façon. Voilà. Voilà. Alors moi j'aime pas trop les épingles en fait, je préfère attendre. Je suis embêtante là-dessus, mais ça va plus vite en fait, je trouve. Comme ça, on peut bien le plier. Et s'il y a un souci quelque part, ben, on met une pince, vous voyez, comme ici. On met une pince tout de suite pour que ça sèche bien. Mais le reste, ça colle presque tout de suite. Hein. Vous voyez, regardez. C'est déjà sec ici. Là, on va faire pareil. Et en fait, ce qui est dur à tenir, c'est que le papier est tout petit. Vous pouvez le rallonger au pire, hein, si vous ne vous sentez pas capable. Il suffit de rajouter une feuille de papier, hein, tout simplement. Voilà. En fait, c'est la colle d'instant qu'elle sèche, que ça peut prendre du temps. Donc, voilà. Tout simplement. Voilà. Donc là, concrètement, vous allez faire pareil de l'autre côté, ici, et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, je suis venue tout simplement couper une feuille à 4 à 28 cm pour venir la coller pile poil ici, dans le milieu. Donc moi, je rajoute toujours de la colle dans le milieu. Voilà. Et un peu au bord, là. Ici, pour être sûr que ça colle bien, que ça ne se décolle pas. Voilà. Et là, je viens coller. Alors, je ne suis pas venue mettre des feuilles blanches absolument partout, parce que de toute façon, il va y avoir du papier décor. Et que ça sert à rien. Donc voilà. Alors vous pouvez le faire si vous voulez. Hein. Moi j'estime que ça ne sert pas à grand chose. C'est user du papier pour rien. Donc on ne verra pas qu'il n'y a pas de papier en dessous. Donc voilà. Et là, vous enlevez l'excédent de colle et on se retrouve juste après. Voilà, alors là, je vous montre, j'appuie alors légèrement, bien évidemment, pour que ça colle bien à l'intérieur de la pliure, que la pliure soit propre. Mais vous appuyez pas pour pas déchirer votre papier. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on y fait, c'est qu'on y va doucement. Voilà. Et des fois ça soulève, mais c'est normal. Voilà. Donc maintenant que ça s'est réalisé, comme vous pouvez le voir, donc là ça peut soulever encore, c'est l'instant que la colle prenne. Je vais venir essuyer. Voilà. Donc nous allons coller
en premier notre ruban. Alors, moi j'ai choisi cette couleur-ci. Vous venez au milieu. Alors ça, c'est côté extérieur le ruban. Donc c'est 14 le milieu. Voilà, je prends de la colle. Alors moi, je prends de la colle spéciale textile, mais vous pouvez prendre du double face. Ça n'aura pas grande importance. Moi, il n'y a pas trop de sens dans mes rubans, donc tout va bien. Voilà. Hop. On vient coller le papier décor que vous aurez choisi. Alors, moi, je ne l'ai pas choisi. Le devant, c'est celui-ci. Alors, il mesure 20,7 sur 27,7. Vous voyez, pour laisser un petit matage. Vous voyez ? Comme ceci. Et nous venons coller. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc là, concrètement, vous venez faire pareil de l'autre côté. Et pareil ici, de ce côté-ci. Donc bien évidemment, vous ne rajoutez pas d'autres rubans à l'intérieur. Vous collez juste le papier décor. Le papier décor, je rappelle, donc il mesure 20,7 sur 27,7. Vous collez tout l'intérieur et on se retrouve pour les tranches. Voilà, donc là, concrètement, il commence à prendre forme, comme vous pouvez le voir. Voilà. Maintenant, la tranche. Donc, j'ai coupé les deux mêmes intérieur et extérieur. Donc, elle mesure 10,2 par 20,7. Vous voyez? Et on vient coller. Donc là, je vais mettre pause. Vous n'avez pas besoin de moi pour coller. C'est facile. On se retrouve juste après. Voilà, alors là ça va être un peu long, donc il faut suivre. On va faire comme un encadrement de 1 cm tout du long. Alors, moi je vous conseille de marquer très légèrement vos... ce qu'il va falloir gommer après. 1 cm aussi de ce sens-là. Vous le prenez bien du bord, hein, surtout pas du papier. Voilà, donc là j'ai fait mes marquages. Et là, donc on peut venir tracer le trait. Alors moi je calcule tout de suite. Je laisse 5,1 à peu près. Alors attendez, je vais marquer légèrement. Voilà, je vois mon trait, moi c'est le plus important. Voilà, donc ça vient jusque là. Et entre chaque, on laisse 1,8 et demi. Et 1,8 et demi. Et 5,1. Voilà. Comme ça, nous avons tous nos tracés. Donc je réappuie un peu plus. Comme ça, on n'aura pas besoin de venir gommer. Là, ici, en fait. Je fais pareil en bas. Hop, je vais venir tracer un trait léger. Pour que je puisse venir appuyer après. Voilà. Donc 5,1. Donc ça démarre ici. Hop, jusque là. 1,8,5, l'espace entre chaque boîte. 5,1.
1,8 et demi. 5,1. Donc voilà, et je vais venir bien retracer mes traits. Voilà. Je vais venir gommer un peu parce qu'on voit ici. Voilà. Voilà. Donc là, je les ai en haut et en bas. Et là, concrètement, on va venir faire pareil. Donc, je me mets bien là pour venir tracer mon trait. Alors, n'appuyez pas trop pour qu'on puisse venir gommer. Voilà. Alors, donc, 5,1, 1,8,5, 5,1, 1,8,5, 5,1. Alors je vais vérifier quand même au dernier. Moi j'ai presque 2, c'est pas très grave. Voilà. Donc vous laissez 5,1, 5,1, 5,1 entre chaque et 1,8,5 et 9. Vous voyez ici j'ai 2, donc il faudrait laisser peut-être 1,9, 1,9 et 1,8 au milieu ou inversement. Voilà. On n'est pas à 1 mm près, ça ne se verra pas sur les boîtes. Je fais pareil de ce côté-ci. Je viens tracer mon trait légèrement pour pouvoir venir gommer après. Donc 5,1. Alors là, j'ai presque 2, donc on va laisser 2 ici, c'est pas grave. 5,1. 1,8,5. Voilà, 5,1. 1,8,5. Voilà, et là, j'ai bien 5,1. C'est parfait. Donc là, je viens tracer mes traits. Alors attention de ne pas venir trop dans le milieu. Vous voyez, j'essaye de tracer, voir où ça tombe. Là, je viendrai gommer si jamais les traits sont dedans. Voilà. Toc. Alors, vous, je ne sais pas si vous voyez mes traits, mais le plus important, c'est que vous voyez les vôtres. On va venir dans ce sens là du coup, voilà, et on va venir tracer et on s'arrête pour éviter de venir gommer dans le milieu en fait. Voilà, hop, ici, voilà. Un peu trop loin. Donc ici vous levez le gommé. Voilà. Hop, ici aussi. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai mes traits. Donc je ne sais pas si vous voyez mes quadrillages, mes carrés, si vous les voyez. Je vais venir coller mes boîtes. Alors attention au sens. Moi, le sens, il est ainsi fait parce que j'ai mon sens. Donc, j'ai fait pareil de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez mes petites boîtes là. On les aperçoit légèrement. Je vais venir coller mes boîtes. Alors là, concrètement, je vais vous en montrer une. Mais vous les collez comme vous le souhaitez. Donc, laissez-les ouvertes pour pas que la colle déborde et qu'elle vienne coller le bord. On se met bien sur le carré, sur notre petit carré.
Et voilà. Donc on vient coller nos 24 boîtes. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, vous voyez, les boîtes sont collées, le tout ferme super bien. Le rendu est vraiment très très beau. Maintenant, on va mettre les chiffres. Donc ce qu'il faut savoir, donc, dans celui-ci, j'étais surprise parce que il y a les chiffres, mais bah, je trouve qu'ils sont très mal faits. Moi. Comment vous voulez qu'on coupe alors que l'image elle dépasse sur l'autre? Donc du coup, je ne peux pas du tout l'utiliser. Donc du coup, bah, j'ai fait tout simplement les chiffres avec ma machine. Voilà, parce que moi j'ai une machine, donc j'ai pu le faire. Donc je vais coller le 1 par-ci, le 2 par-là. Hop, je vous montre, je prends le 2 par exemple. Voilà. Normalement, c'est du foil, ça devrait bien ressortir partout. Il n'y a pas de raison. Je voulais faire au départ des petits ronds, des petits rappels pour le coller dessus et après le coller ici, mais j'ai peur que ça gâche l'image. Donc ça, du coup, je ne le fais pas. Donc je colle mes chiffres, alors faites pas 1, 2, 3, essayez d'être aléatoire, voilà. Vous n'avez pas besoin de moi pour coller les chiffres, je les fais hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, alors ça y est, les chiffres sont faits. Comme vous pouvez le voir, le tout est collé. Maintenant je voulais agrémenter un tout petit peu le devant, donc je vais mettre une étiquette que j'ai trouvée dans le bloc, et la mettre sur du foil, et puis écrire Joyeux Noël. Alors Joyeux Noël, je l'avais. Il y a 2 secondes. Et là, voilà, en foil aussi. Donc là, je colle dessus et je coupe pour venir coller dans le milieu avec Joyeux Noël ou Joyeux Noël en bas. Je ne sais pas comment je vais faire. On se retrouve juste après. Donc voilà, donc l'image est là et je vais écrire donc Joyeux Noël. Je construis comme ceci. Il faut vraiment que ce soit dans le milieu. Allez, c'est parti, je vais coller. Voilà. Voilà. Donc joyeux. D'accord, maintenant. Donc là, vous écrivez Joyeux Noël. Enfin, vous écrivez. Moi, je le fais parce que j'ai les dies et j'ai le foil. Voilà. Donc là, je vais tout simplement prendre mon torchon pour tapoter. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors moi, je le laisse le plus simple possible. C'est pour débutants ou même ce que vous voulez. Après, rien ne vous, vous empêche de mettre des petites décorations sur chaque boîte. Moi, je le laisse tel que. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao, ciao!